Clémentine ? Ford ? Jamais là quand on a besoin d'eux. J'y crois pas. D'abord le cristal, puis Ford. Je ferais mieux de me dépêcher si je veux retrouver Clémentine. Pax Sultek, voilà bien des éons qu'on n'avait pas vu quelqu'un d'étranger au pan sur Yaesha. Oh, la pestilence est en train de me prendre. Ou peut-être fait-elle simplement partie de moi à présent. Cela fait si longtemps, je ne perçois plus la différence. Cependant, quel vent amène un Pax Sultek tel que cela sur Yaesha? Un cristal rouge. Oh, j'en ai vu de tels dans mon sommeil sans repos. La pestilence y pense souvent. Surtout à ceux qui se trouvent sur la terre du Pax Sultek. Je suis Bedel des Vauntes. Quand ce monde était encore jeune, les pans vénéraient la forêt et tout ce qui pousse. Maintenant, les pans trahissent le monde. Et le monde... Le loup trahit les pans. Ceux de son espèce foulent rarement le sol de Yaesha. Sauf, il semblerait, lors des périodes de grands changements. D'abord, il y eut les Krells. Puis celui que l'on appelle Ford. Même notre dieu, moult visage, ne fut pas de taille face au Pax Sultek. C'est ce que cela prétend. C'est ce que prétendait le Ford, maintenant connu sous le nom de Fléau de l'Impératrice. Cela fait une génération que Fléau de l'Impératrice n'a pas été aperçu. Depuis qu'un autre Pax Sultek l'a libéré, de grands changements, comme je disais. Et tout au long de cette même génération, j'ai été coincé ici, éternel témoin de l'ignoble pestilence. Aveugle face au présent, qui sait ce qui s'est produit entre-temps. Hélas, je sais bien peu de choses. Adieu, Pax Sultek. Que la biche rouge veille sur ses pas. Ils arrivent.
J'aime pas ça.
Mon sac est plein. Ha!
ça rentrera jamais.